Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry, Kate Middleton et le prince William. Oui, après Kate, la superbe guerrière, Kate, la femme confidente à 40 ans, Kate, la future reine, Kate, la femme parfaite, on a maintenant Kate, la confidente, Kate, celle qui essaie d'arranger les choses entre les deux frères. Donc, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est une histoire qui persiste, qui continue d'être diffusée dans les médias, notamment ceux anglais, celle d'une Kate Middleton qui aurait décider de faire tout de son possible pour rabibocher son mari et son frère, c'est-à-dire le prince William et le prince Harry. Donc apparemment, il y aurait un froid entre les deux et ce serait causé par la façon dont Meghan Markle aurait été traitée dans la famille royale. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit aussi que Kate ferait tout ce qui est possible pour que les deux frères puissent se parler. Tout ça, c'est pour monter le profil de Kate Middleton encore, hein, pour la faire passer pour quelqu'un de parfaite. Pourtant, tout commence à partir d'elle, à partir du moment où on a accusé Meghan de l'avoir fait pleurer, alors que c'est l'inverse qui s'était passé. Donc au lieu de défendre Meghan Markle auprès de la presse, Buckingham a décidé de ne pas répondre à ces accusations, à ces mauvaises rumeurs lancées contre Meghan Markle. Et ça a embêté les Sussex qui ont décidé de partir ailleurs. Apparemment, leur départ pour la Californie a ennuyé le prince William et Kate Middleton qui comptaient sur eux pour pouvoir accomplir les tâches royales. Le froid était tel que le couple ne s'est pas empêché de le démontrer lors de leur apparition lors du Commonwealth Day à l'église l'année dernière. Et là, on nous explique que c'est elle qui ferait tout pour que les deux frères se reparlent. Donc, je ne comprends pas comment elle pourrait faire ça, vu que c'est elle qui a la base du problème. Je l'ai toujours dit hein, dans mes vidéos qu'à la base, c'est Kate le problème, donc on ne comprend pas comment le problème peut essayer de résoudre le problème. C'est-à-dire, celle qui est à l'origine du problème peut essayer de résoudre le problème. Ça n'a pas de sens. Tout ça pour vous dire de ne pas y croire. J'ai des personnes qui me posent des questions tout le temps sur ce site. Est-ce que c'est vrai que Kate Middleton ferait tout pour que les deux frères se parlent? Personnellement, je ne crois pas. Je ne suis pas présente à Buckingham avec le couple, avec Kate Middleton et son mari, mais je ne pense pas que Kate Middleton puisse faire tout pour que les deux frères se reparlent, parce qu'elle sait très bien que Harry ne laissera jamais tomber Meghan, et qui dit Harry dit forcément Meghan. Et comme Kate ne veut pas de la concurrence, donc je ne vois pas comment elle pourrait faire rapprocher les deux frères, sachant que Meghan Markle fera de nouveau partie de son entourage et le volera la vedette, comme elle le fait tout le temps, malgré son absence de l'Angleterre, je veux dire. Donc non, je ne pense pas que Kate Middleton soit celle qui ferait tout pour que les gens se reparlent. Je ne pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.